Bah, comme vous disiez, c'est vrai que les trois premières années, on était dans la salle des fêtes de Graines, c'était une configuration que concert. Je pense que historiquement, c'était surtout lié au fait que les membres fondateurs de l'association étaient tous musiciens pour la plupart. Et du coup, c'est l'idée qui est venue d'emblée, c'était vraiment de tourner autour de la musique. Après, les différentes personnes qui ont pu intégrer l'association et aussi nos vies personnelles, hein, parce qu'on a tous, du coup, on est quasiment tous parents maintenant, etc., ont fait que... On s'est aperçu aussi que souvent à la campagne, l'accès à la culture n'est pas forcément facile. Donc évidemment, nous on avait envie qu'on ait beaucoup de membres de l'association à travailler dans le champ de l'éducation, des enseignants, des éducateurs, etc. Il y avait aussi cette envie de pouvoir partager des choses avec un public à la fois multigénérationnel et vraiment faire une ouverture culturelle vraiment dans une logique un peu d'éducation populaire à permettre à chacun d'accéder à la culture en fait. Donc ça c'était la première motivation qui a fait qu'on a eu envie d'étendre un peu notre proposition en termes d'activités, d'ateliers culturels. Et après il y avait aussi le fait qu'on est quand même dans un lieu qui est quand même superbe par rapport aux marais, par rapport aux couleurs du ciel aussi dans les marais. Et la configuration sous chapiteau aussi nous paraissait quelque chose de convivial aussi et que ça pouvait amener des gens. Et c'est pour ça qu'on a choisi vraiment de pérenniser tant qu'à faire le festival dans ce site-là, en extérieur, sous chapiteau, de façon à pouvoir aussi pouvoir profiter aussi de cet espace-là qui est assez méconnu. Et c'est vrai que quand on est... moi, je suis pas forcément du coin à l'origine. Et c'est vrai que quand on connaît pas au début, les marais, ça peut faire peur. Et c'est vrai que moi, quand j'ai découvert le site, j'étais complètement enchanté. Donc c'est vrai que ça paraissait évident qu'il fallait vraiment exploiter ce lieu-là et vraiment permettre à la population qui habite ici de pouvoir aussi bénéficier de son festival, d'un lieu convivial pour tout le monde, quoi. Alors la programmation de l'Oreille du Marais, c'est plutôt une programmation éclectique. Il y a des ateliers, des contes, une balade à histoire, des concerts, des spectacles de rue et des jeux. Tout ça sur une journée. Le challenge, c'est de proposer une diversité culturelle aux gens du parc, aux gens de Graignes. Les gens viennent, les gens reviennent. Donc, aucune raison de partir ailleurs, et c'est pour ça qu'on continue. T'as du mal à faire ça? Oui. Oui. Ça va finir. Et c'est, alors c'est quoi comme bois? Du bambou. Du bambou? Il y a un petit peu plus du... c'est pas très solide, mais le bambou c'est un peu solide par contre. Et la seule chose qu'il attendait, c'était la soupe. Et là, au lieu de plonger dans les yeux de sa femme, il avait les yeux plongés dans la soupe, elle venait de servir la soupe. Le reste de la table, ça bougeait pas. Ça bougeait pas! Parce que la mère, elle bougeait pas. Elle avait servi toutes les assiettes. Et ça arrêtait au village. Ben, de la boulangerie. Hey, pour prendre l'odeur du pain frais, c'est gratuit. On peut s'arrêter, on prend l'odeur du pain frais. Le pain, il l'achetait le soir. Il l'achetait. Ouais, elle pouvait toujours faire. Est-ce les gardiens sont morts? Il y en a un qui l'a vu. Ben, le menuisier, bien sûr. Il faut prendre les mesures. Hein. Même si c'est pas compliqué. Histoire sur le comptoir. Histoire dans les tiroirs. Les tiroirs. Les épis sont sortis.
sonné. La petite est allée demander de l'aide à ses trois voisins. Edith, s'il vous plaît, qui m'aidera à moi ce matin? Poussez le bois, nous sommes tout un petit chat. Poussez le bois et d'autres fois. Mon esprit du charmeur, s'il vous plaît. Où est-il parti? Si vite, avec sa sœur en éclaireur. Alors le fakir saisit son sabre. Et il court derrière le charmeur. Et l'on entend... Antenne dans 10 minutes. Antenne dans 8 minutes. Voilà. 10 ou 8, qu'est-ce que tu fous, toi? Ouais, ça. Antenne dans... Ok. Déjà, pour commencer... Bon, puisque je fasse la technique ou pas, là? Ça va aller, je prends. Donne-moi un magazine. Ok. Petite dame? Ouais. Elle est mal coiffée. Ah ouais. Juste comme ça, par curiosité, c'est pour savoir, vous captez canal suplex ici? Non. Ah non? Non, ça m'étonne pas. Ouais, ouais. Bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour regarder la télé. De toute façon, ça va, Peigne? Attends, oui, vous en fiche. Merci. On ne paye pas cher, mais c'est sympa. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ouais, parce que... Donc vous connaissez pas l'émission du tout? Vous regardez la... Vous avez la télé? Ouais, alors toutes les photos et vidéos sont strictement interdites. Ok? Voilà. Oula. Ok? Ah oui, il faut. Il faut des coups, un ciseau. Ça, ça. On vous tournez pas la tête, tu alors. Regardez bien devant. Ok. Voilà, c'est là bon. C'est bon. Merci. Là, ça va. La casquette. Nous vous informons que votre image sera utilisée à des fins commerciales et que vous abandonnez tout droit à Cepex Corporation. Voilà. Au troisième bip, plus aucun recours ne sera possible. Qui viennent d'où vos produits régionaux? Bah écoutez, des usines régionales. Bon, mais les carottes, elles n'ont pas poussé dans l'usine. Elles ne sont donc pas régionales, excusez-moi. Mais si. Mais non. Mais si. Certainement mais pas. Si. Ah, Chonard, mais si. Sûrement mais pas. Si. Mais si. Non. Madame Michaud, monsieur Richenheim, on a bien compris, vous n'êtes pas d'accord l'un avec l'autre. Ça, c'est sûr. Chers spectateurs, chers téléspectateurs, le débat est lancé et les idéaux s'affrontent. Je vous rappelle, je vous dis que vous pouvez voter par SupexMS pour la modique somme de 4,21€, le SupexMS. Rouge, si vous choisissez le camp, le choix de monsieur Miradine. Jaune, si vous êtes quelqu'un de moderne, comme Madame Michaud. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau d'Idéos et... Mais tout de suite, une page de publicité. Might be